Hello la Pixie Army. J'espère, je pensais que t'allais dire hello. Hein. Ah bah non, faut qu'on le dise ensemble. T'es bah pas... dis-le, je peux pas dîner. Ok, 1, 2, 3. Hello la Pixie Army. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de Betty. Bonjour. Voilà, donc Betty qui n'est pas youtubeuse. Pas du tout. Qui n'est pas fan de Disney, mais qui est ma meilleure copine. Oui, voilà. Et, voilà. Et comment tu fais pour supporter ça tous les jours? De quoi, toi? Que je te mette... Que je ne sois pas fan de Disney. T'es vraiment insulté. Je t'aime très fort. Tu serais perdue sans moi, de toute façon, faut dire ce qui est. Non mais c'est bien, ça annonce le début de la vidéo. Donc Betty, vous l'avez vu dans deux vidéos, une vidéo High School Musical et une vidéo Once Upon a Time qui vous avait beaucoup plu d'ailleurs. Et donc là, on est sur une vidéo Disney. Voilà. Puisque j'ai ramené des trucs improbables du Japon et que je me suis dit qu'on allait tester ça ensemble. Elle porte les oreilles de Lily Magical Ears, c'est la première fois qu'elle en porte, elle a choisi parmi... Voilà, j'ai décidé de me mettre à fond, tu vois, quand tu dis que j'aime pas Disney, bah je fais des efforts au moins. Ouais, et t'as choisi sur une trentaine de paires, la meuf elle nous a fait tout un défilé, enfin bref... Bah fallait bien que ça aille avec ma tenue, qu'en pensez-vous la Pixie Army, on fait en sorte que ça matche. On a toute une pile d'objets à ouvrir et donc ce qu'on va faire, c'est que je vais commencer par vous présenter cet objet-ci. Donc c'est un masque pour les yeux, c'est pour ça que je suis pas trop maquillée de la peau. Mais en fait, je viens de capter que je me suis pas maquillée la peau alors que c'est un truc pour les yeux. Et que je me suis maquillée les yeux et pas la peau. Je sers à rien. Donc, et en fait c'est un masque chauffant, mais c'est ça. Donc avec de la lavande. Donc Betty ne veut pas essayer, ce que je comprends. J'ai la peau très fragile. En fait elle m'avait vendu ça comme un truc pour la peau et j'ai la peau extrêmement fragile et qui fait vite des allergies. Donc si vous me voyez pleurer et tout, donc du coup je vais essayer de le garder pendant toute la vidéo. Est-ce que vous voyez le niveau d'investissement quand même et de sacrifice pour vous la Pixie Army? Du coup j'ai acheté ça au Disney Store. Il y a deux modèles, donc il y a l'Otso et les aliens. Oh, regarde moi comment ça se présente quoi le truc. Attends mais t'en as un pour chacun. Non, non, ah bah non, mais bah non, pas un pour chaque œil, genre tu le déplies. Oh, c'est vachement épais, ça ressemble pas, je pense, on dirait des couches. Tu sais, les on dirait des serviettes hygiéniques. Tu mets ça dans tes oreilles? Au-dessus des oreilles? Tu crois? Mais je pense, oui, pour que ça s'accroche là. Attends, non, mais c'est tellement improbable. Si, attends. Non, mais en fait, ce que je comprends pas, c'est que c'est pas chaud là. Est-ce que tu crois qu'il faut que je mette ça au micro-ondes là? C'est marqué, mais c'est en japonais, que tu veux que je sache qu'il faut le mettre au micro-ondes ou pas? T'imagines? Franchement j'ai grave envie d'essayer, mais si après la maison saute... Non, ah ouais c'est chaud. Ah c'est chaud. C'est déjà chaud là. Mais ouais, mais comment ça se fait que c'est chaud alors? Attends, que... mais censé se garder combien de temps sur le... Bah écoute, on va dire le temps de la vidéo. Ah je peux plus, en plus c'est en accord avec les oreilles. Est-ce que vous avez vu ce match parfait? Bah pas du tout, c'est les oreilles de Tic et Tac. Mais oui, mais c'est rose là comme là. Eh mais c'est chaud ouais. Mais c'est bien, ça me rassure parce que du coup il n'y a pas de produit qui rentre dans la peau et tout. Ça doit juste détendre le visage. Les gens vont croire qu'on fait une vidéo sur Zoro, pas du tout. Donc pendant que je porte cette chose, oh je peux plus. Je te propose de déguster puisque nous avons beaucoup de produits à manger. Il y en a un qui tente en particulier. Les trucs, les espèces de chipsters là, avec Toy Story. Là. Ouais, ça voilà. Ouais, c'est salé ça. Ouais. Alors ça ressemble à des chipsters verts. J'espère que c'est pas au wasabi hein. Oh, arrête, ne fais pas peur. Eh hey, mais ça chauffe de ouf. Elle va transpirer dans pas longtemps. Ah mais de ouf, tu sens ou pas? Bah grave, mais... Ah mais oui. Mais en avion tu vas pas garder ça. Je perle. Non non mais si, bah si, il faut que je teste les bienfaits. Mais je pense que c'est pour défendre. Mais par contre tu vas transpirer partout. Bah c'est pas grave, écoute je le lirai hein. Alors attends, est-ce que c'est encore bon? Ah, ça renacle comme oui, alors en fait, Betty a un j'ai une... En fait, non. Dis la vérité. La vérité, c'est qu'Aurore a cette fâcheuse tendance de tomber malade. Pourquoi? Parce qu'elle mange des aliments périmés. Donc, du coup, que moi, je fais très attention parce que, bon... On a un problème avec le premier alien, meuf. T'as qu'un œil. Moi, je vous montre un, hein, du coup. Oh, c'est pas bon. Non, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. C'est pas bon, mais j'arrive pas à analyser ce que c'est. Du barbecue? C'est improbable. Ça, c'est... Ah, c'est vraiment pas bon. Non, c'est dégueu. Toi, t'en remanges. elle est là, non, c'est pas bon. Non, par contre, ce qui est pas cool, c'est qu'il y a vraiment rien dans le paquet. Hein. Bon, après, c'est bien parce que du coup, on va pas trop gâcher de nourriture, mais... Oui, bah, je sais pas si t'as déjà payé ça combien. Je sais pas, peut-être 1,50€, 2€, hein. Ah oui, quand même. C'est cher pour tout ça. Bah, en même temps, t'as acheté ça à Disney, hein. Pendant qu'Aurore dit que c'est pas bon, elle continue de manger la chips. Donc, c'est qu'au final, j'ai pas envie de gâcher. Par contre, le truc qui est horrible, c'est qu'on a plein de trucs à manger. Et que je pense que le mélange des goûts, ça va être, ouf, folie. Bah, en fait,
ça, sur le coup c'est pas très bon, mais après ça laisse pas de goût dans la bouche celui-là en tout cas. Alors en fait, ça c'est des clear files, donc c'est le truc que j'ai oublié de vous montrer dans le haul. Et en fait c'est des clear files mystères. Donc en fait il y en a 3. Et à l'arrière, donc vous en avez 12 à collectionner puisque c'est sur le thème des princesses et des héroïnes. Et on s'est mis d'accord avec Betty en fonction du personnage de qui récupérerait les clear files. Donc j'espère que ça va être les miens. Du coup toi tu veux avoir qui? Aurore et Pocahontas. Ok, et moi je voudrais... Et bah tous les autres. Soyons clairs. Mais j'aimerais beaucoup avoir Clochette, mais avec ma chance légendaire. Oh, trop bien! Moi j'ai la belle. Vas-y, on leur montre. Mais du coup, je sais pas comment... Ah, c'est des petites pochettes. Ouais, et en fait, après tu mets des produits. Du coup, là, t'as belle. Voilà. Et après, moi j'ai Blanche-Neige. Ouais, et après, de l'autre côté, t'as différentes scènes du dessin animé. Voilà. C'est plutôt joli, hein. Oui, franchement, j'aime bien. C'est très joli. Et ça, ça coûte pas très cher. Enfin, pas très cher. Ça coûte 2 euros. Bah voilà. Un peu moins. Mais sachant que c'est pratique, ça va. Parce que tu mets plein de trucs dedans. Et du coup, il en reste un dernier. Tu l'ouvres ou je l'ouvre? Oui. Allez. C'est la petite sirène. Ah, ça, c'est cool. Ah, bah, je suis contente. Du coup, c'est moi qui ai les 3. Bah oui. Mais il est beau. Oui, il est très joli, ouais. Franchement, lui, il est joli. Donc, je vous montre. Ça, ce sont des chocolats où vous pouvez avoir des petites tsum-tsum. Donc je pense que ça, logiquement, ça devrait pas être mauvais. Moi, je veux le plutôt. Ben, on va voir qui on a. Hein. Moi, je sais pas, je suis... Tant que j'ai pas mini, parce que si j'ai mini, franchement, je vais faire grave la gueule. Je vais tellement rire. C'est bien, regarde, les emballages, ils sont tsum-tsum aussi. Ah bah oui, là c'est l'extraterrestre, après t'as quoi? Là, t'as okay. Mickey. Là, t'as et mini. Tu crois que dans l'œuf, c'est... J'espère que c'est pas représentatif du... Du coup j'ouvre le mini hein, parce qu'il faut bien rire. Vas-y, moi j'ouvre le Mickey du coup. Si c'est mini, de toute façon tu repars avec. Oh, c'est Baymax. Ouais. Et toi t'as quoi? Attends, je sais pas. On dirait que t'as Daisy d'ici. Ouais, t'as Daisy. Ah bah merci pour le spoil. Sorry. Non, moi j'ai envie d'ouvrir l'autre du coup. Bah vas-y, on ouvre l'autre. Vas-y. On est des bébés hein. Nous on est les meufs, genre tu nous offres 3 Kinder Surprise, on ouvre les 3 jouets et après on voit pour la bouffe. Tu l'as chauffé l'alien là? Oui. Ah ça je suis contente par contre. Attends, je suis en train de regarder, tu sais c'est comme les jouets Kinder en fait, t'as les possibilités. Ça se trouve il y avait même pas mini. Mais il y avait pas plus tôt. Il y avait pas mini. Il y a pas plus tôt. Mais c'est trop bien, il y avait pas mini. Donc vous pouviez avoir Mickey, Donald, Clochette. Franchement, je suis surtout contente d'avoir les aliens. Baymax, Lotso, Olaf et Daisy, ouais. C'est marrant qu'il y avait pas mini. C'est rare qu'ils proposent Mickey et pas mini. Ils ont tout compris. Ça peut-être déjà, ils ont tout Mais surtout qu'il y a Donald et Daisy, quoi. C'est le slogan de quel truc, ça, ils ont tout compris. C'est pas free. J'ai acheté cette boîte. Mais j'ai pas acheté cette boîte parce que j'avais envie de manger ce qu'il y avait à l'intérieur. Je la trouvais juste très jolie. Donc du coup, maintenant, on va devoir goûter ce qu'il y a dedans. En fait, je trouvais qu'elle était jolie pour mettre les oreilles. D'ailleurs, je ne sais pas si... Ça rentre pas. Ça rentre pas. Tu es très optimiste, Aurore. Ce plan est un fail. Il y a un moment où il faut arrêter. Et du coup, je l'avais acheté pour ça et elle est toute en carton. Enfin, elle est pas ouf niveau qualité en plus. Et c'est garni de nourriture. Parce que là-bas, ils vendent pas les boîtes avec rien dedans. Donc, je ne sais pas quoi manger, je t'avoue. On peut choisir au moins. Bah, de toute façon, on peut leur montrer déjà. Parce que ça, je sais pas ce que c'est, mais. Ça a pas l'air bon. En fait, ça ressemble à ça. Ah, là, il y a des sablés. Il y a des palmiers. Donc, ça, je sais que on essaye ça aussi. Hein, Bah, on est obligé de manger ça, oui. Ça c'est quoi? C'est des sablés non? Ces trucs là. Ça a l'air d'être un truc salé ça. Faudrait qu'on commence. Ah ils sont beaux ceux-là. Regarde c'est le château de Tokyo. On commence par ça je pense parce que ça doit être salé ça. Tu crois? Mais par contre ça se trouve comment? Tu veux que moi je goûte? Toi tu goûtes celui-là et moi je goûte celui-là? Vas-y. Ah, je sens déjà l'indigestion là, tu sais le mélange de toute la bouffe dans le ventre là. Par contre ça j'ai pas hâte de le manger hein. Non, je vous le dis. C'est sucré en fait. C'est sucré? Ouais. J'ai pris le vanille du coup. Ok. Ah, il y a des goûts. Non, moi, je goûte le château. C'est pas fameux. Hein. Ça sent délicat. Oh, ça sent fort le truc que je viens de prendre là. Ah, qu'est-ce que c'est? En plus, moi, je suis vraiment ravie d'avoir plus ça, les gars. Ravie. Moi, c'est chelou comme goût. Hein. Bah, moi aussi, ça. On dirait que j'ai mis une espèce de, vous savez, du glucose un peu chimique. Du glucose. Ah, ça me serait pas du tout venu à l'esprit de... Est-ce qu'il n'y aurait pas marqué en dessous? Un espèce de sirop, vous voyez? Non, toujours pas. Je sais pas ce que c'est, moi. Il y a de la fraise chimique, ça oui, c'est voilà, sûr. Oui, voilà, c'est ça, un sirop de fraise un peu... Moi, j'ai de la fraise chimique. Ah, j'arrive pas à goûter. Ah, c'est... Ah, j'aime vraiment pas. Mais c'est très sucré, hein, les trucs du... Ça pue. Hein. Tu
Je veux pas qu'on en mange un pour deux parce que franchement... Oui, bah si tu veux. Ça a l'air trop mauvais. Ah mais t'as voulu faire ça. Oh, ça a fondu. Eh, hey, on a pas regardé la date de péremption. Ouais, mais elle est marquée en japonais, je crois. Bah oui, elle est périmée. Ah bon? Ah non, bah... Où tu vois que c'est périmé? 18-12-2018. Putain, chat, je viens de vous faire un truc périmé. Mais attends, mais c'est pas possible, j'ai acheté ça le mois dernier. Mais genre. C'est normal, il y a plein de... C'est bourré de sucre, rien, c'est une espèce de glaçage. Ouais, bah, non, on va... Hey, on prend pas le risque. Vous voyez pourquoi je dis qu'il faut vérifier la date de péremption? Parce que cette demoiselle ne vérifie rien. Mais en fait, je pense pas que ce soit le 18 décembre. Je pense que c'est, regarde, le 8 décembre 2018. Et bah c'est encore pire, parce que j'allais dire le 18, ça va, ça fait que quelques jours. On va pas toucher à ça, la petite Barbie, hein, je pense que vous comprendrez pourquoi. Bon, donc, après avoir goûté un truc périmé, hein, je vous avais prévenu en début de vidéo. Je vous avais dit que ça allait se terminer comme ça. On va tester autre chose. Tu veux tester la boisson? Oh là là, j'ai pas du tout envie de boire ça, mais... vas-y, donne. Pour faire passer le goût du périmé. Alors, c'est du soda, hein, c'est pas une boisson étrange. Hein. Oui, mais attends, rien aussi la date de péremption. Il n'y en a pas, mais je te rassure, c'est pas du parfum ou... ou un truc comme ça. En fait, j'ai acheté ça dans la boutique Allison Wednesday, qui est à Rajuku. Et en fait, ils avaient plein d'articles un petit peu comme ça, il y avait plusieurs couleurs, et je trouvais que celle-ci, c'était celle qui faisait le plus Alice au Pays des Merveilles. Et en fait, ça se boit pour de vrai. C'est bon. À la tienne. Je vais chercher des verres, non? J'ai pas de décapsuleur. Merde. On est bien. C'est mort, là, t'arriveras pas, hein. Je peux pas faire ça avec mes mains. Bah, je ne pense pas... Non, j'ai pas de décapsuleur. J'en ai marre de cette fille, vous voyez ce que je me trimballe? Tous les jours que Dieu fait, voilà. Cloupe, je pensais que ça allait sourire, mais non, regarde. Ah oui, bah oui, cloupe. Bah oui. Cloupe, et tout s'ouvre, cloupe. Bon, et bientôt, nous n'allons pas boire. Voilà, vous pouvez admirer la couleur, mais personne ne boira. Oh mon Dieu. Parce qu'il n'y a pas de décapsule. Bon, voilà. Cloupe, et bah non. Même avec un cloupe, ça ne marche pas. Donc le prochain objet, c'est une bougie que j'ai achetée au Disney Store et que je trouvais très très belle. Mais alors je vous avoue que je me suis posée déjà petit en la question de quelle odeur ça allait avoir. Et surtout ce que ça donnait quand ça allait brûler, parce que c'est une substance qui est assez bizarre à l'intérieur. Et donc Betty a décidé qu'elle allait peut-être la récupérer. Voilà, parce que j'aime beaucoup, c'est... Vous pouvez pas la voir ici mais on vous montrera tout en close-up et c'est vraiment très très mignon. Et ça sent les toilettes. Oui. Alors, ça sent le Airwick. Voilà. La bombe des toilettes, vous avez une petite idée de quoi ça... T'es sûre que tu veux toujours récupérer? Oui. Par contre, il y a un truc qui me perturbe, meuf, c'est que bon, déjà c'est en gélatine, mais il n'y a pas de mèche. Oui. Oui, je pense que, comme d'habitude, tu n'as pas fait attention que... qu'il y a... Que... Wouh. Je sais pas si ça se voit d'ici. Ce n'est pas une bougie, c'est enfin, une LED. C'est bougie une... LED. C'est une fausse bougie, en fait. Voilà. Et je suis toujours aussi convaincue, j'adore. Alors, ouais, bah moi j'aime pas en fait, parce que moi ce que je voulais c'était une bougie. Alors c'est vrai qu'elle est très jolie, du coup, bah tu te dis, bah t'as pas forcément envie de la faire brûler et tout, mais c'était pas le concept, quoi. Ça, j'ai acheté ça au Tokyo Disneyland Hotel. Ok, bon, c'est des biscuits Elfabet. Toujours la date de péremption, madame, hein. N'oublie pas ce détail. 2019. Voilà, parfait. Mai 2019. Allez. Et j'aime bien les emballages de Noël. En plus, c'est bien parce que tu vois, on peut en ouvrir un et après ne pas toucher aux autres. Je pense que c'est... Tu dis sucré ou salé, toi? Moi, je pense que c'est sucré. Moi aussi. Moi qui suis pas sucrée, autant te dire que je suis ravie, là. Hein. Donc, on est sur Donald. Ouais. Il y a des dessins dessus. Ah, j'ai dingo. J'adore comment tu sens avant de manger, genre... C'est salé. Ouais, c'est salé. Mmh, c'est pas mauvais. Étonnamment. On a enfin une bonne découverte. Franchement, c'est vraiment bon, ça se mange sans faim. Parce que rien ne se passe comme prévu encore dans cette vidéo, entre le truc périmé, les clear files, c'était pas ce qu'on voulait. La bougie qui n'est pas une bougie. Grave. Le seul truc qui est bien, c'est qu'on n'a pas eu Minnie dans les Tsum-tsum, mais... Oh, toujours revient la pauvre Minnie, est-ce que tu peux arrêter de la harceler? Prochain objet, la Pixie Army. Objet que j'ai trouvé très drôle et qui était en promotion au Disney Store, sinon je pense que je l'aurais pas acheté parce que ça se vendait 14€. Il était hors de question que je mette ce prix-là. Alors, c'est un objet Alice au Pays des Merveilles et c'est un gloss, mais qui brille dans le noir. Et je trouvais ça trop marrant. Genre, on va avoir une bouche blanche ou rose. Enfin, on va voir. Mais du coup, vu qu'on a toutes les deux quelque chose sur les lèvres, on va le mettre par-dessus. On va voir déjà si c'est transparent ou pas. Ah bah, oh, ah, j'aime pas du tout l'applicateur. Ah, la texture, bordel, moi je me mets pas ça. Oh, regarde. Ça vend du rêve, hein. Ça, je peux pas faire un close-up là-dessus, c'est horrible. Alors, vous ne voyez pas, mais c'est absolument pas glamour. Et en fait, ça se... Comment vous dire?
ça s'étale pas bien, si vous voulez. Il y a un gros tas de roses. Il y a un gros tas de roses. Putain, ça colle. Ah, je sais pas si. Non, mais écoute, je suis le cobaye depuis le début de la vidéo. Vas-y, allons-y. Attends, comment est-ce que je fais pour m'appliquer du rouge à lèvres sans rien voir? Tu veux que je le mette? Vas-y, je t'en prie. Wouh. Même le pinceau est chelou, regarde. Mais grave. Quelqu'un est mort. Son âge. Quelqu'un a mangé les gâteaux périmés. J'ai envoyé ça à mon voisin du bas. Pour le nouvel an. Non, c'est méchant. Oh, bon. Est-ce que ce n'est pas toi? Dans oui, toute mais... ta splendeur. Est-ce que la Pixie Army ne connaît pas ce côté de toi? Ah, ça dégoûte. Bah. C'est très désagréable. Hein. Ok. Oui, ça s'applique pas bien, je t'en ai mis en dessous des lèvres sans faire exprès tellement ça s'applique mal. Non mais c'est très désagréable, j'ai l'impression que t'as appliqué ça, tu sais, à la spatule à crème. Mais genre... c'est une spatule. Pas du tout. Ça marche pas du tout, voilà, comme vous pouvez le constater, il y a rien. Ni sur les mains, ni par contre, on aperçoit encore ton masque, donc... Mais je suis dégoûtée, moi je voulais qu'on voit mes lèvres briller et tout. Y'a rien du tout, les gars. Publicité mensongère. Gros fail jusqu'au bout. Donc, résultat de ce rouge à lèvres, c'est un immense fail. Hein. C'est tellement chelou que ça avait collé jusque-là. Enfin, c'était admirable. Après, ça fait un effet glossy sur les lèvres. Mais alors, Betty a compris autre chose sur le produit. Apparemment, en fait, ça ferait juste une couleur différente sur les lèvres. Voilà. Mais après on sait pas, hein, parce que vous savez, le japonais et nous... Ouais, on n'est pas très familier tout voilà. Ça. Mais bon. Et donc du coup, il nous reste pas mal de nourriture à tester, hein. Bah 3. Ça, je pense que ça a quasiment le même goût que ce qu'on a goûté tout à l'heure. Mais avec du chocolat en fait. Ouais. Donc, bon bah, on est reparti, hein. Il y a des dessins par contre, ça c'est cool. Voilà, il faut le dire. Bah oui, mais j'ai Gepetto sur le mien. Je suis choquée, c'est un personnage que j'ai jamais représenté en France. Ouais, c'est ça, c'est des Gepetto. C'est bien, ça sera mangeable. Oui, puis c'est tout petit, mais sympa. Mmh. Elle nous a acheté des bonbons qui piquent. Enfin, c'est ce qu'elle dit, parce que tout est genre japonais. Donc... Alors, je pense que c'est des bonbons qui piquent, vu à quoi ça ressemble. Et ça, j'ai acheté ça au 100 yen shop. Le tout à 1 euro. Voilà. Gage de qualité. Mais en fait, je suis pas sûre que ça pique, parce que derrière, il y a les fruits. Enfin, là, comme ça, c'est à la consistance des pastilles pour la gorge. Hein. Oh! Ah, c'est sucré. Moi, ça a le goût du... Oui, le ça goût se mange du multivitamine. Ça se mange ou ça non, suce? Ça suce. Moi, c'est un goût pastille pour la gorge. Dégueu. Non. Non, mais très sucré, sirop pour la toux, tout ça à la fraise. Le truc pour les enfants. Ouais, c'est très précis, tu vois. Donc, je vous présente le dernier objet qui se mange. Qu'elle a acheté je ne sais où. Alors, bien évidemment, je l'ai acheté pour la boîte. Hein. Voilà, parce que je vais en couple. Et je l'ai acheté à Disney Store. Ça a l'air bon, hein. Ouf, ça fait envie. On dirait des meringues. Je pense que c'est ça au chocolat, non? Bah, il y en a plusieurs couleurs. Par contre, j'aime bien le logo à l'arrière. On en a des blancs et il y en a des roses. Voilà. Et ça? Ah oh, bah t'as des autocollants. Ah oui, mais ça c'est en fait c'était pas dans la boîte. J'aime pas les rangers. Je démissionne la petite Charmie. Mais oui, ça a l'air d'être des meringues. Toi aussi, c'était pas dedans? Ah non, c'était pas de bonbons. Je savais pas où me mettre. Non, attends, j'enlève. Ah oh, oh, putain, regarde. Ah, t'es rouge de ouf, hein. Je suis rouge. Ça se voit pas à la caméra, mais. Ouais. Ah, par contre, ça a aspiré, genre. Tout ton mascara. Tout mon eyeliner. Voilà, merci, je t'aurais pu. Voilà, je suis une nouvelle personne. Explosez-vous pour goûter cette espèce de truc. Mais je sais que je vais pas aimer vu que j'aime pas le sucré. Moi, surtout après le bonbon. Ou une gaufrette. Gaufrette, justement. J'aime pas. Plus les barres énergétiques, là, tu sais, qu'ils donnent pour les gens qui veulent maigrir, là. J'aime grave pas. Moi, j'ai hâte de goûter. Oh, Berk. Cette vidéo, ça va être n'importe quoi. Mais... Bah oui, bah c'est ça qui est drôle. On a enfin fini le bonbon. Du coup, je goûte, moi aussi, du coup, la saveur blanche. Et donc, verdict. C'est pas bien. Censé être de la vanille ou plutôt chocolat blanc, je pense. Ouais. Moi, c'est pas fameux. On a fini la bouffe. Alors, donc, pour ce nouvel objet, nous avons besoin de la clochette. Le petit amour. Non. Donc, quand j'étais à Akihabara, j'ai acheté un chapeau pour clochette. On va l'essayer. Vous voyez, elle est ravie. Voilà, elle était du chapeau. Ah, c'est hilarant. Je peux plus. La pauvre. Oh, la pauvre.
Alors Clochette n'est pas très contente, elle a une fierté. Elle est partie chercher le petit chat. Elle aime pas quand on rit. Je te jure, c'est vrai. Elle est grave vexée. Oh, elle est fière, la pauvre Clochette. Donc voilà, donc la tête. Regardez comme elle est mignonne. Arrête de rire, elle va pas être contente. Regardez comme elle est mignonne. Oh là là. Je l'aime très fort, mais là, faut quand même reconnaître qu'elle est sacrément ridicule. Oh, allez, on lui fait un peu de peine. Voilà, princesse. Oui, parce que c'est la marraine de Clochette, alors on me sent bien. Allez, bisous. Bisous, au revoir. Ça va? Ça va? Elle t'a crié. Elle t'a trouvé le collant? Oui. Je peux plus voir. Clochette, elle s'est vengée, du coup. Elle a trouvé le collant de Betty. En même temps, Aurore l'a lâché en mode, vas-y, casse-toi. Non, c'est juste qu'elle tenait plus, et du coup, j'ai pas forcé. Voilà. Bon, et donc, du coup, le dernier objet, c'est l'objet le plus insolite de cette vidéo. Et alors, j'ai acheté ça dans la boutique tout à 1€. Et en fait, comment présenter ça, sérieux? C'est une couche pour les toilettes. Ouais, en fait c'est ça, c'est un espèce d'adhésif qu'on met sur les toilettes. Pour que ce soit plus mou, plus doux, voilà. Pour le popotin. Alors, vous vous en doutez, on va pas le tester. Enfin, on va le tester, mais pas nous. On va pas vous le montrer plutôt. On va le mettre directement sur. Voilà, mais on va le mettre sur les toilettes, donc vous allez pouvoir découvrir cette pièce mystère de mon chez moi. Donc voilà ce que ça donne, et maintenant je vais vous emmener dans mes toilettes, endroit que vous n'avez encore jamais découvert chez moi. Donc voilà, donc c'est autocollant, et en fait comme on n'a pas les mêmes toilettes que les Japonais, en fait ça dépasse. Ça dépasse. Pardon. C'est dans les... Du coup ce n'est pas forcément un achat que je vous recommande, puisque n'ayant pas les mêmes tailles de toilettes, bah... Voilà, c'est un peu chelou du coup, mais bon, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, hein. C'est bien, c'était la seule pièce de chez moi qui était pas thématisée Disney, et maintenant... Bah voilà, ça y est. Maintenant, je pense que ça va être chaud, parce que là, ça dépasse de ouf, hein. Bon, et donc, vu que je suis un peu sadique, je vous propose également un concours avec ceci à gagner. Donc c'est un livre, Alice au Pays des Merveilles, qui est de la même collection que la bouteille qu'on n'a pas pu boire. Et en fait, à l'intérieur, il y a de la bouffe. Donc je me dis que c'est de circonstance, et vous avez toutes les conditions en barre d'infos. Bon alors, qu'est-ce que t'as pensé de cette dégustation? Quels ont été le meilleur alors, et le pire? J'ai très très mal au ventre, sachez-le. Tous les mélanges sont pas forcément évidents. J'ai aimé les tout petits gâteaux, que ce soit au chocolat ou même salé. Après le reste. Le passage le plus difficile, ça a quand même été les gâteaux pas encore plus bons, quoi. Qui étaient, ouais, ça a été difficile, ça. Mais je vous avais prévenu, hein. Je sais que ça allait arriver. Et puis, non, écoute, c'était drôle, on a bien ri. Ça, on a bien ri. Moi, j'ai bien aimé les petits biscuits salés, mais forcément, vu que je suis bec à sel, voilà. Sinon, je trouve que le masque Loto, c'est plutôt une bonne surprise, parce que j'avais vraiment peur que ce soit un produit et tout, vu que j'ai une peau qui réagit beaucoup. Mais je trouve ça plutôt cool. Là, au moment où on tourne, et bah écoutez, c'est encore chaud et ça fait 3/4 d'heure que je l'avais sur le visage. D'ailleurs, c'est même plus chaud que tout à l'heure, je trouve. Mais c'est peut-être que c'est réutilisable, hein. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires quel objet vous a fait le plus rire, celui que vous auriez préféré essayer, notamment celui de Clochette. N'hésitez pas à encourager Clochette dans les commentaires parce qu'elle a vraiment vécu un moment très difficile. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, la Pixie Army, je vous aime très fort. Bisous, bisous, bisous.